Ça vient provo départ du quintet de lundi. Andalouse qui revient sur la grande piste après une bonne tentative à Cabourg, également plutôt bien à Anguin. Oui, tout à fait. La jument est en vraie bonne forme en ce moment. Hein. La dernière fois en gain, elle l'a un peu embêté à prendre le dernier tournant. C'est pour ça qu'il n'a pas pu se décaler. Sans quoi, il aurait prétendu à un meilleur classement. Donc c'était les B ce jour-là à Anguin. Cette fois-ci, vous n'avez que les aînés à affronter. Oui, tout à fait. Hein. C'est quand même un avantage. Hein. Les B qui ont les mêmes gains, c'est des chevaux vraiment de qualité. Là, contre les vieux chevaux, normalement, elle a sa chance. Alors, en 25 mètres, vous voyez comment l'opposition ? Dans ses cordes. Après, c'est pas une grosse débouleuse, mais s'il y a du train, elle a un super finish. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu grande piste, mais ça l'avait pas dérangé par le passé. Non, tout à fait, elle se plaît bien sur la grande piste de Vincennes. Il fait des 4 pieds, on la voit disputer le podium ? Oh oui, je pense, je serais déçu qu'elle soit pas dans les 3 premières au moins. Par contre, elle peut pas forcément faire le fort. Non, plus maintenant, elle a un petit peu moins de marche qu'avant, mais de toute façon, sa principale qualité, c'est de finir et de venir sur les chevaux un peu fatigués.